Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Recevez votre humble animateur que je suis, désormais président Serge Defalé. Voilà. Président. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec ma binôme, celle-là même qui a les cheveux de couleur, par moments orange, souvent jaune, c'est à certains moments violet, on ne comprend plus rien. Je l'ai nommé Chola. Yeah. Chola, aujourd'hui. Bonjour, le président des Falais. Oui, le président des Falais désormais. Comment, depuis quand à faire mon passage, je ne suis pas au courant là. Tout à l'heure. Mais aujourd'hui, tu as un cheveu rouge Bordeaux. Oui, bien sûr. Parce que bon, écoute, il est important et impératif pour moi tu viens de Bordeaux? Changer de tête. Hein, voilà. Tu viens de Bordeaux? Oui, j'étais à Bordeaux récemment. Donc, je viens d'arriver. Donc, j'aborde la couleur Bordeaux pour dire bonjour à la population de Bordeaux. Bon, salutations à tous les vignobles du côté de Bordeaux. Yes. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui, nous avons un invité de taille. Il est pétri de talent parce qu'il fait partie, en partie, de la première génération de DJ dans le mouvement musical coupé-décalé. Ils ont fait leurs premières heures, leur premier pas à l'entrée de la rue Princesse, à le temps où la joie était de ce côté-là, en Abidjan, à la rue Princesse. Ils étaient dans un maquis qui avait un nom comme un ministère. C'était le ministère de la joie. Oui. À cette époque, ces jeunes DJ étaient fougueux, talentueux. Et ils mettaient l'ambiance et la joie dans les cœurs de tous les Ivoiriens, dans ces lieux chauds, bouillants. Alors, je vais laisser le soin à cet artiste-là de se présenter de par sa voix. Oui. Sa voix vous donnera déjà qui il est. Écoutez le son de sa voix. Bilelo ya jipika ngana leliskara bebo miso menena bayenanga. Zefi Connor, le créateur, Boulevard DJ. Non, mais ça fait... En fait, Chola, ça fait revivre. Exactement. Ça fait revivre quoi? Ça fait revivre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année, dans l'ère des 20 ans de Coupé Décalé. Ouais. Et entendre une telle mélodie, ça replonge tout le monde dans un souvenir où la Côte d'Ivoire était dans un temps de détresse. Et on entend comme ça ces mélodies-là qui commencent à égayer les personnes. Alors, Zefi, qu'est-ce que ça te fait 20 ans après? 20 ans après, c'est vraiment un plaisir. Parce que je me rappelle quand on était au concert du président Mola. Tout à l'heure, oui. Manière de l'appeler, au fait. Sinon, le président dans la jet set, c'est voilà le président qui est là. Tu m'as nommé président. Mais je suis déjà au courant parce que c'est Defalé qui est président. Donc, c'est le président Defalé qui est là. Mola, j'ai l'habitude de l'appeler président. Oui. Ça, c'est de lui à moi. D'accord. On est tous des présidents déjà. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le coupé des calots aujourd'hui, 20 ans après, si on est encore vivant, c'est à vous, les chroniqueurs. De musique. Non, on est animateur. Animateur, chroniqueur, excuse-moi. On a encore beaucoup à donner. Mais comment tu as trouvé les 20 ans de carrière de Mola? Ça a été une symbiose, une ambiance particulière. En tout cas, j'ai vu des anciens. Oui. J'ai vu des anciens. Oui. J'ai vu la jet set. Ça a été retrouvaille. Non, mais... on a commencé notre conseil déjà. Déjà dans les loges, ouais. Donc, avec Lewis TV5. Avec Lewis TV5. Ah, Lewis, il existe encore. DiCaprio, oui, comment il existe encore? On a mis le feu dans les vestiaires. Donc, c'est mon grand voilà, frère. C'est pour te dire que vraiment, ça m'a fait plaisir de quoi vous croiser des anciens comme les Gino Malachi. Oui, tous ceux qui ont. Lewis. Il y avait 5 étoiles. 5 étoiles. Tu vois déjà. 5 étoiles. Oui, 5 étoiles. Il a arrêté de couper briques au village. Aïe. Enfin, c'était les informations que j'avais eues à l'époque. Il va bien. Il est très en forme. Super. Il a toujours sa voix. Ah, j'adore. Alors, Zefi Connor, déjà, bonjour. Oui, et puis, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Hein. Mets-toi à tes aises, le président des Falais est là. Je suis là également, Chola. On va commencer par le début. Ouais. Déjà, Zefi Connor, à l'état civil, qui es-tu? À l'état civil, c'est Kaba Zéphirin Tressy. Originaire? Kaba.
Kaba de Congo-Brazzaville. Ah, tu es qui? Tu es congolais. Il y a Kaba au Congo, il y a des Kaba au Congo. Il y a des Kaba au Congo. Ouais. Tu es musulman, tu es chrétien. C'est Kaba avec N en fait. Ah, Kaba. Ah, voilà, Kaba. Ouais, faut préciser. C'est pas Kaba tout court. Et tu es chrétien, tu es musulman, tu es animiste, athée. Je suis chrétien. D'accord, ok. Très bien. Évangéliste, si tu veux bien. Tu vas à l'église souvent? Je vais à l'église. Eh, barbe de couleur. Ouais, je vais à l'église. Mais c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Non, Dieu t'a donné la barbe noire, mais il t'a pas dit d'aller mettre teinture déjà. Non, ça, c'est pas teinture. C'est pas teinture. C'est pas teinture, il faut regarder. C'est pas teinture. Oui, décidément. Ah, c'est pas teinture. Mr. Johnny, pour lui, c'est ici. Pour Zephy, c'est la barbe, décidément. Dépendez pour faire un ouvre, toi, tu es beau taille. Non, moi, tout en train de devenir blanc. Ça, c'est pas teinture, c'est comme ça. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Chronique. Ah, ouais. La calvitie a plus mal fait ici. Alors Zephy, en quelle année tu débutes dans le coupé décalé? Bon, avant le coupé décalé, même tu étais DJ, c'est ça? Non, oui, au ministère musicien, de la joie. J'étais d'abord musicien. Mm-hmm. On a eu un groupe qui a sorti des gars comme Feu Erickson le Zulu, Feu Willy Kilo là. Ok. Le groupe qu'on appelait Afrique Echo. D'accord. Mais attends, mais comment vous venez en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a aussi ça. Moi, tu es venu par avion ou par bateau? Moi, si, par avion. Chez nous, il n'y a pas le bateau qui nous emmène ici. Moi, je suis venu par avion. Moi, en fait, c'est la guerre qui a eu chez nous en 97. Mm-hmm. Les parents avaient trouvé mieux que je choisis là où partir. Ok. Donc, c'est là où j'avais choisi la Côte d'Ivoire et je suis venu en Côte d'Ivoire. Bah, attends, donc tu débarques comme ça en Côte d'Ivoire? Je débarque avec ma soeur. À l'aventure? Ouais, ben pas en aventure, je suis venu avec ma soeur. Normalement, c'était prévu d'ici, on partait en France. On serait parti en France pour me laisser parce que j'avais déjà kiffé le pays. Donc, j'étais déjà. Toi, on t'a envoyé des escales, tu es resté en même temps. Voilà, je suis resté en même temps. Oui, parce que bon, après, qu'est-ce qui t'a fait rester? Parce que t'aller en Côte d'Ivoire pour ne plus aller en Europe, c'est quand même assez bizarre. Ben, on voit ça rarement. Tu sais que j'ai l'habitude de partir en Europe, mais je reviens toujours en Côte d'Ivoire. Non, avant ça, est-ce que quand tu as quitté au Congo, quand tu venais en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas l'habitude de partir en Europe? Non, c'est non, d'ici non. que tu as commencé à connu l'Europe. Ouais, c'est d'ici. Voilà, maintenant, tu es quitté au Congo. Ouais. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu as calé. J'ai calé. Il y a une Ivoirienne qui a attrapé le Congolais que tu es ou bien c'est comment? Ben oui, je sais pas seulement une Ivoirienne qui m'a attrapé, mais j'avais d'abord aimé, parce que ici, j'étais épargné. J'étais seul père, seul mère, seul frère. Mm-hmm. Donc, il y a ce que je ne pouvais pas faire au pays que je faisais déjà ici. Ah, d'accord. Donc, tu as senti une certaine liberté. Liberté, au fait. Bon, c'est pourquoi tu ne pouvais pas faire la marque que tu avais fait ici. Non, mais je ne veillais pas, je ne dormais pas dehors. Mm-hmm. Et, mais ici, j'arrive, j'ai la liberté totale. Et puis voilà. Ah, là-bas, tu prêchais dehors? Non. Non, il dit, il ne veillait pas, en fait. Comme ici, Abidjan, il vient d'en maquiller la nuit. Il n'avait pas l'opportunité de découvrir. Mais là-bas, qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Côte d'Ivoire? C'est seulement la guerre? Mais c'est la guerre, c'est la guerre, juste. Non, c'est la guerre. Ah, là-bas, je suis pas en galère. Renseigne-toi. Ah ouais? Je suis un chef. Tu fais ça, moi, avec des dames. Non, à ce qui paraît que. Il fallait parler en musique. Non, la famille était assez. Non, quand même, il paraît que la famille n'est pas. C'est de la présidence que je suis venu en Côte d'Ivoire. Non, tu n'es pas petit quelqu'un au Congo. Je te dis, c'est de la présidence, je suis venu en Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais quand tu es venu là, est-ce que le train de vie n'a pas changé? Parce que quand tu quittes ta présence, ça doit changer parce que tu n'as pas tes parents auprès de toi. Okay. Tu es obligé d'attendre de temps en temps la fin du mois quand on voit quelque chose. Mm-hmm. Mais quand on voit là, tellement que tu es en tas aussi, tu n'arrives pas à gérer. Tu ne peux pas gérer. Des fois, tu ne peux pas gérer. Mais c'est ça qui nous a poussé d'aller dans les maquis maintenant. Les petites Aïvo sont là, elles sont papa, elles sont chic. Ce qui paraît aussi, on dit dans tout ça, c'est que tu es un grand homme à femme aussi. Tu n'es pas un peu gigolo aussi, les beaux? Non, je ne suis pas gigolo. Un peu quand même. Je ne suis pas gigolo. Moi, quand je passe, la paix, c'est que là où je passe, je ne passe pas inaperçu, au fait. Mais moi, je connais une fille qui te sortit, mais tu as pris beaucoup. Jamais, je ne fais jamais ça. Moi, au contraire, c'est moi, je dépanne. Tu dis quoi? Je dépanne. Non, grave. Donc la fille a menti. Grave, ouais. Elle faut te renseigner. Et puis, je vais te dire un truc. Je ne suis pas sorti avec des petites femmes qui sont là, donne-moi, machin, tout ça. Qui t'a dit, il parle des petites femmes? Voilà, donc quand on dit non, elles se suffisent et puis elles ne dérangent pas, c'est quand je veux donner, je donne. Alors, Zephy, comment démarre l'aventure Boulevard DJ? L'aventure Boulevard DJ, d'abord, je quitte le groupe Afrique Echo. Tu as quitté ou bien t'as chassé? Je quitte. Ah. Et quand j'ai quitté, le groupe s'est disloqué au fait. Chacun a pris son envol. D'accord. Parce que j'étais comme une lumière dans le groupe au fait. Ah, donc les autres là, ils étaient les ténèbres. Ben je te parle. Renseigne-toi. Tu vas commencer à les recevoir ici, ils vont t'expliquer. Non, que c'était Zephy la lumière au fait. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne pouvais pas accepter que je sors, je suis propre, les autres sont sales. Donc je mettais tout à la disposition des autres. Pour que tout le monde soit clean. Voilà, donc, comme j'étais plus là. Le groupe, les autres, c'est mort. Ah, c'est mort. Le groupe s'est disloqué.
Donc ça veut dire que c'était quoi, Zéphir? Ben, le groupe n'a pas eu long feu, au fait. N'a pas eu long feu après peut-être que je sois parti. Combien de temps ils ont, après? Ils ont fait au moins peut-être 3 à 4 mois. Seulement? Ouais. Ah, d'accord. Donc tu n'es pas parti à la chance de tous tes amis. Mais tu sais, dans un groupe, il y a toujours une lumière, au fait. Donc les autres, c'était les ténèbres. Il y a toujours une lumière. Mais voilà, je quitte. Parce que j'étais déjà dans le jeu. Hein. J'étais obligé de créer un groupe qu'on appelait l'écurie Bokolobango. L'écurie Bokolobango. Là où Bokolobango était notre manager. Oui. Donc c'est avec ce groupe que j'ai fait le tour un peu de la Côte d'Ivoire. Rapport à mes prestations. C'était un orchestre, non? Non, un groupe de danse juste. Oui, mais vous chantiez dans les... Oui, coins, mais c'est moi, je faisais des animations. Des animations. Un peu comme ce que les gens font dans les coins de rumba ici. C'est à travers ça. Un jour, j'étais venu jouer, c'est Maman Minata. C'est là où DJ Mano m'a repéré. Il m'a dit, mais attends, tu chantes bien. Moi, j'ai un maquis à Yopougon qu'on appelle le pouvoir. Mais est-ce que je peux t'inviter là-bas? C'est là où je débute maintenant au pouvoir. Ah, d'accord. Okay, en tant que DJ. En tant que DJ. Mais comment tu as rencontré DJ Atalaku? Atalaku. Pour préciser. Mais comment tu as rencontré maintenant Kérosène? Kérosène, ça après des années. Ça après des années, j'avais déjà fait le pouvoir, j'ai fait le Wamblé, j'ai fait le monde arabe, j'ai fait les fracata. Et puis je fais maintenant le jackpot. Ok. Système à deux bâbords chez Abdul Conté que je salue en passant. Exactement. Là où on était avec les Chico Lacoste, les Malondji. Les Malondji, tous les gars. Voilà. Donc, Chico, c'est de là. Il est là. Hein. C'est de là. Maman Grâce est en train de faire son maquis. Maman Reine Grâce de Souza, elle est venue une fois chez moi. Elle m'a entendu chanter, elle m'a dit, ah mais écoute, moi je veux faire de toi mon DJ, mais ça se passe comment? Elle dit, mais maman, en ce moment, je suis avec Abdul Conté, il me donne presque tout. Elle dit, bon, tu restes chez toi. Dès que je commence, j'aurai besoin de toi. Donc j'ai été débauché. J'ai été débauché du compresseur ministère de la joie. Après des années, c'est là où je rencontre maintenant Kérosène. Kérosène, je l'ai rencontré comment? J'étais allé derrière un petit mouvement, quoi. La petite me dit, bon, vas-y, il faut t'asseoir au titré. Le titré qui était à côté de chez Kérosène. C'est de là. Les DJ, quand ils savent qu'il y a un grand DJ qui est arrivé, donc tous les DJ se mettent au four au moulin, ils veulent prouver. Donc il y a ceux qui ont chanté, mais c'est quand j'ai écouté la voix de Kérosène, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Ah bon. Il parlait au micro, il chantait même pas, il parlait. J'ai dit, ah mais qui parle là? Oh non, c'est Joël, tout ça. Ah, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, mais petit, tu es bon, mais de temps en temps, il faut venir chez moi à la rue, tout ça. C'est en fonction de ça, il arrive, il croise Francky DiCaprio, ils étaient déjà des amis. Et puis c'est parti de là, de temps en temps, Maman Grâce, on l'a mis au bar. Donc moi j'étais au maquis, lui il était au bar. Au fur et à mesure, il a commencé à sortir. Mais c'est moi qui faisais l'animation, en fait. David Taero, avec le groupe Eliel, était invité chez nous. C'est David Taero qui était le parrain. Donc avant qu'un groupe qu'on invite chante, moi je fais d'abord mes animations, je vends. Et puis voilà. Donc pendant que je chantais, David Taero appelle Maman Grâce et dit, mais putain, c'est qui ça? Maman Grâce dit, c'est mon DJ, il s'appelle Zéphi. Il dit, mais il est bon. Ah, moi je le produis. Maman Grâce dit non, tu le produis pas. Moi c'est mon DJ, c'est mon artiste. Donc c'est là où les deux se sont mis ensemble pour faire quelque chose. Ouais. Alors maintenant, comment vous vous retrouvez en studio? On se retrouve en studio, je pars en studio. Et à un moment, Grâce qui me demande, tu vas avec qui? Je dis, bon, je vais avec Kérosène. Sinon, à la place de Kérosène, c'était Mystique. Ah, oui, j'étais en train de. Je sais pourquoi j'ai dit ça, parce que j'étais en train de le jobber. Parce que Mystique était avec Zéphir. J'étais en train de le jobber. C'était mon élève, au fait, à l'époque. J'étais en train de le jobber, j'ai dit je vais avec Kérosène, sinon avec Kérosène, c'est pas un groupe qu'on s'est mis ensemble, on a bossé puis on est allé en studio. Donc j'avais déjà tout, et arrivé, bon, j'avais presque chanté le morceau. David Taylor me dit, mais attends, tu as tout chanté là. Il dit, mais vers la fin, lui peut, c'est un peu de envoler, vous faire un peu des choses. Donc c'est de là. C'est comme barrage, on a soulevé pour aller déployer quelque part. C'est de là. Le groupe est parti. On sort, on vient, on attend le son. David Taylor m'appelle. Bon, écoute, j'arrive pour vous donner l'écoute. Quand il est venu donner l'écoute, on a écouté. C'est de là. De là. On n'a jamais fait la promo, au fait. On n'a pas fait la promo de ce morceau. Donc c'est parti seul. Non, parce qu'en fait, le morceau, c'est un tube intemporel aujourd'hui. Et alors, à un moment, il y a quelque chose qui me fascine dans le morceau. C'est cette guitare distone.
il y a une guitare qui tourne dedans. Maman reine, grâce à Dieu. 10 millions, c'est quoi? Ça, c'est des clients de locaux ou bien? Regarde, le coup, c'est simplement, c'est ça. C'est 10 millions. 10 millions. Ben, la guitare, sinon, de là où il est, je le salue, c'est le vieux père Koudou Athanase. Waouh! Wow. Ah, donc, maintenant, il comprend pourquoi le morceau est dangereux comme ça. Attends, donc, c'est deux géants dessus, alors. Par l'inspiration de David Taïrou, il avait trouvé que l'homme qui pouvait jouer la guitare, là, c'était Koudou Athanase. Ouais. Oh, génial. Donc, je comprends pourquoi ce morceau est intemporel. Il y a deux géants sur le morceau. Mais en fait, je veux comprendre une chose. C'est vrai qu'il y a deux géants sur le morceau, entre autres David Taïrou et Koudou Athanase. Mais finalement, Kérosène, il était là pourquoi? Non, mais c'est un chanteur. Il était là, si j'avais besoin, j'avais pas besoin de lui, je m'en ai. Ouais, c'est puisque c'est lui qui l'a choisi. Il a chanté quelle partie? Qui veut démarrer, Les gens aujourd'hui croient que Kérosène, c'est, pour moi, c'est un ennemi. Non, c'est pas un ennemi. C'est une fierté pour moi, en fait. Mm-hmm. Tu vois, c'est un petit frère, c'est un ami, c'est un collègue. Mm-hmm. Donc moi, aujourd'hui, quand les gens croient que... Non, attends, à fait d'aujourd'hui, les gens croient là, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, maintenant, vous rentrez en studio. Voilà, vous êtes sortis, On cherche d'abord le nom. Donc, ouais, non, vous avez fait comme vous avez cherché. Uh-huh. Ah, mais comme on travaille sur un boulevard, donc c'est boulevard DJ. D'accord. C'était boulevard des DJ, non. Boulevard du DJ. D'accord. Donc le son sort et puis ça fait bim dans toute la Côte d'Ivoire. À l'extérieur, ça fait bim aussi. Partout. D'accord. Donc vous deux, Kérosène et toi, ça commence tournée à tourner un peu, tourner international et tout ça. Kérosène qui était sec, il prend un peu de poids. Toi aussi, qui était très chétif, tu prends un peu de poids parce qu'on vous a vu à vos débuts. Dans les pantalons plaqués. Je fumais assez de cigarettes aussi. Bah, c'est la cigarette seulement, tu fumais, mais l'autre. La cigarette seulement. L'autre là, tu ne touchais non, pas. Non. C'est ce que tu as dit. Non. Tu ne fumais pas ce que les artistes prennent en général. Je ne touche pas. C'est si même je suis venu. Connaître la vie. Je vais faire les lunettes et puis tu as rayé la caméra pour dire que tu n'as jamais fumé ça de toute ta vie. Si ça fait de mettre peau là, n'ai jamais mis peau. Voilà, ça va. La main droite et dit je le jure. Oh, on va jurer devant les gens comme ça. Hey, mon ami, il faut jurer. Si tu as une Bible, je jure. Si tu m'envoies la Bible. Si tu as une Bible, je vais jurer. Les artistes sont finis à nous boyer ici. Si tu as une Bible, je vais jurer. Zéphie, continuons l'émission donc. Bon, Zéphie Connor. Tu vas donner tes arguments, mais nous, on a d'autres arguments contraires à ce que tu vas donner. C'est sûr. Voilà. On va demander d'abord, pourquoi Kérosène et toi, vous êtes séparés? Et comment? Bon, quand vous parlez de séparation, moi, pour moi, je n'ai jamais appelé ça séparation. Hein. Okay. Lui, il a préféré rester, moi, je suis rentré, et c'est tout. Mais qu'est-ce qui l'a motivé à rester? Parce que, après aussi, là, moi je peux comprendre qu'il ait voulu tenter une nouvelle aventure. Voilà. Mais ce n'est pas au moment où vous êtes en forme. En fait, vous êtes ça en. Moussait, ça moussait. Ça moussait. C'est moussait pas dedans. Justement, c'est. Voilà. J'ai dit chaud là. Attends, normalement, hein, on fait un truc, ça cartonne. Hein. On a des tournées sur tous les pays, en Europe, partout. Hein. Et en pleine tournée, il y a un qui s'arrête là comme ça. Pourtant, il y a d'autres dates encore qui doivent venir et tout. C'est bizarre. Hein? En temps normal, c'est pas possible. Bon, en fait, ils ont calé. Non, ils n'ont pas calé. Ils n'ont jamais calé. Lui, Kérosène a dit, il dit que Kérosène a décidé de rester. Donc, c'est Kérosène qui a calé. Voilà. Donc, mais si on comprend bien, si on veut bien comprendre les dires de Zéphie, c'est Kérosène qui est à la base de la séparation du groupe. Parce qu'il a décidé de caler. Voilà. Donc, son point noir. Puisque la preuve, quand il est rentré bien après, on a eu à faire encore un morceau, le Mokobé Dance. Oui, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce qu'on n'avait pas les. Non, ils étaient plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Ils n'étaient plus concordants. Non, voilà. Mais moi, je dis quoi? Je dis pourquoi est-ce que, si certainement, si le gars avait décidé de caler, c'est qu'il y avait un guise sous roche. On ne cale pas comme ça. Ça, c'est à lui de lui demander. À ce qu'il paraît, on dit de cacher la tête, il prenait beaucoup plus que lui. Oui, jamais. On dit que Kérosène se sentait vraiment lésé. Jamais. Tu te prenais pour la star et tout ça. Paix à son âme, notre manager, Yannick Stopira. Je crois que, avec Kérosène, j'ai toujours été. Correct. Comme ça, correct avec lui. Bon, peut-être c'est affaire de Starmania qui lui faisait mal. Tu étais plus star que lui. Il paraît que tu te mettais en avant. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'était qui? C'est les gens qui nous voient. C'est les gens qui nous regardent. Mm-hmm. Ils savent quelle place mettre chacun de nous, en fait. Tu n'as pas mangé la lumière de Kérosène comme tu as l'habitude de manger la lumière des autres. Non. Mais sinon, on n'allait pas. On peut manger la lumière de quelqu'un. Si on veut bien voir, c'est Kérosène qui est à la mode. Moi, je suis. Oui, mais justement, il mousse maintenant parce qu'il n'est plus avec toi. On peut manger sa lumière. On peut manger la lumière de quelqu'un. Il a mangé la lumière du groupe. Après, il les a laissés net. Ils se sont disloqués. Tu as Kérosène encore. Et puis, il a mangé sa lumière. Aujourd'hui, tu n'es plus à lui. La lumière brille. Je me dis peut-être. Je me dis peut-être c'est ma lumière qui a été mangée. Par qui, Kérosène? On sait jamais. Kérosène, tu es mangeur de lumière. Donc, c'est moi le mangeur de lumière. C'est
Mais donc, je comprends plus. Parce que Rosem va venir, et puis lui va donner sa version, on va comprendre beaucoup de choses. Non, si Rosem, avec Rosem, on a toujours fait 50-50. On a toujours fait 50-50. Bon, ce qui a fait que... Ben, parce qu'il a préféré rester, c'est il était trop galère, trop moisi. Non, je l'ai jamais vu galère. Mais les gars tournaient, moi je sais pas, les gars tournaient, c'est pas que ne tournaient pas, les gars tournaient. Parce que moi déjà, je peux dire, quand il a décidé de rester, moi pour rentrer, tout ce que j'avais travaillé, j'avais jamais reçu un franc. J'ai tout laissé pour rentrer. Ok. Voilà. Mais celui qui me paye mon billet d'avion, c'est ma copine. C'est elle qui me prépare mes valises. C'est elle qui me donne l'argent de poche et puis je rentre à Abidjan. Mm-hmm. Parce que les gars ne voulaient pas que je rentre. Parce qu'on était sur un contrat. Je me suis dit, bon, il y a déjà... Je préfère repartir à Abidjan. Parce que c'est Abidjan qui m'a fait venir. Mm-hmm. Je pars sur Abidjan. Parce qu'Abidjan, moi, Abidjan, c'est la musique. Bon, parlant des femmes et filles, tout à l'heure, tu as dit non, que toi, tu n'es pas gigolo, tout, tout. Il y a une fille qui a payé ton billet. Non seulement ça, il paraît qu'il y a deux filles qui sont frappées aussi à Paris à cause de toi. Apparemment, Zephy. Des fallait de non, Zephy, Zephy, toi, tu parles. Attends, Zephy, même si tu es assis devant qui même. Ta vie, il faut qu'on. Attends, je lui pense qu'il est assis devant qui même. Mais moi, si, attends, je suis à la base de tout ça là. Toi, tu peux fuir dans ma main, quoi. Mais moi, je suis à Abidjan. Si elle se frappe là-bas, moi, mon problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les filles, elles sont frappées à coup de toi. Moi, je sais une chose, Zephy. Deux femmes qui se battent pour un homme, soit il y a trop d'âme dans cette histoire, ou bien il a. Eh ben, c'est terrible. Zephy, ta situation c'est laquelle? Tu as trop d'argent bien. Hey! Zephy! Et il a le plantain! Zephy, non, ça cause de ton plantain, elles ont fait se tuer comme ça à Paris. En fait, c'est plus mes femmes, c'est les mères de mes enfants. Ah! Elles sont déjà. Je préfère fiater à leur nom. Elles ont refait leur vie, mais elles se sont croisées quelque part. Là où on dit, ah, l'autre c'est la femme des épis, l'autre c'est la femme des épis. Ah, donc chacun voulait montrer à sa manière. Bon, ça a pété entre eux, moi ça ne me regarde pas. Moi je suis à Abidjan. Ah, donc toi tu es à Abidjan. Galère. Je suis là, je suis à Paris. Ouais. Ah, Zé, tu sais que ton plantain n'est pas petit plantain. C'est le plantain à distance. Mais ça c'est bas, l'autre côté de l'eau là-bas, derrière là-bas. Il paraît que les Congolais sont très plantaineux. Je salue les plantains du Congo. On vous salue les Congolais. Les plantains du Congo. Où tu as l'envie? Il fallait monter au des fallait. Bon, en fait, c'est des choses qui arrivent. Dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Et quand tu es avec une personne, c'est mieux. Parce que moi, je suis quelqu'un, je dis jamais à une personne, attends, moi, c'est fini. Non. Tu te retires, je me retire. Non, détends, attention, c'est le bon, c'est réframpé. Toi, non, c'est ancien feu, non? C'est ancien feu. Oh. Ancien feu, ça s'allume toujours. Ça, c'est pas correct. C'est, ah, c'est pas bon, correct. Si tu as dit ça. Non, non, mais Zephy, ouais, si tu veux plus de quelqu'un, autant lui Chola. Dire, je ne veux plus de toi, plus la personne d'avant. C'est ancien feu. Hein? Hein. Donc, le feu, c'est le feu chez toi. Donc, quand tu vas repartir à Paris, tu vas aller framponner encore les mères de Je suis attendu même. Hi! Adama. On peut framponner comme ça? Ceux qui m'appellent même, viens, je te donne du papier, viens, tu as resté chez moi, viens, je te donne le papier. Il dit, ok, j'arrive. Mais, moi, je veux savoir, tu as fait combien de temps à Paris? J'ai mis du temps quand même. Hein. Là, pour une première fois, on a fait presque une année et demie. Hein. Mm-hmm, ouais. La deuxième fois, on a fait 8 mois. Mm-hmm. Ouais. Et tu n'as pas pu obtenir les papiers là-bas, non? Ça t'intéressait non, pas? Non, ça ne m'intéressait pas. Moi, c'est Abidjan qui m'intéresse. Ah, moi, mon beng, c'est Abidjan. Ah, toi, tu étais allé pour framponner. Mais quelqu'un même l'a emmené du Congo à Abidjan, il est parti à beng, il est resté à Abidjan. Bon, un gars, après, il est allé même à Paris. Si aux États-Unis, je vais revenir. Oui, tu es allé à Paris. D'ailleurs, c'est Abidjan, je m'inspire mieux et puis voilà quoi. Donc, tu es allé à Paris pour framponner. Pas framponner, pour travailler. Ah, en tout cas, dans le travail, pour travailler. Le travail et le framponnage, ça va de pair. Je te remercie. Je vais te dire un autre doute. Moi, j'arrive à Paris. Parce qu'on avait des visas suisses. Mmh. On n'avait pas des visas français. Ouais. Ouais. Schengen. Mmh. Ouais, ils n'avaient pas des visas chinois. Oh, non, la Chine n'était pas encore dans Schengen à l'époque. Non, c'était pas dans Schengen à l'époque. T'es pas dans Laisse Schengen. Ça, la Suisse n'était pas dans Schengen à l'époque. Voilà. Voilà, non. C'est quoi donc, ils avaient que des... Nous, on quitte en Italie, on vient, on fait escale à Paris. Mmh. Je me dis, bon, j'entends parler de Clignancourt, machin, tout ça là. On va, on nous loge à Saint-Ouen. Saint-Ouen. À Étape-Hôtel Saint-Ouen. J'appelle maintenant un de mes petits qui vient en voiture. Il me dit, petit, c'est comment? Il faut que tu nous accompagnes. On va aller faire des achats, tout ça. J'arrive, je vois une basket. À l'époque, la seule à porter, c'était Miss Elliott. Ouais. Okay. L'Adidas montante jusqu'ici. Mmh, donc ouais, c'était exposé. On devait vendre ça en 2008. Mais moi, en 2005, je vois, je dis, mais je veux de la chaussure. Je me dis, c'est pas à vendre. Je dis, je veux. C'est quelle pointure? Oh, 42. Mais c'est ma pointure, je veux. Donc, on était obligé d'appeler le propriétaire de la boutique
venir. Le propriétaire me dit, mais attends, vous voulez vraiment de la chaussure? Il dit, je veux de la chaussure. C'était un prototype. Voilà, je veux de la chaussure. Il dit, mais vous payez comment? Je dis, mais je paye en espèces. Le gars me regarde, cheveux teintés, des boucles d'oreilles, du chêne en or. Il dit, vous êtes quoi? Vous êtes footballeur? Je dis, non, je suis un chanteur. Chanteur, vous chantez quoi? Il dit, nous, c'est le. Ah, le coupé derrière la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, voilà. Donc la Côte d'Ivoire est reconnue par le coupé des crânes. Le gars me vend la chaussure pendant que j'enlève ma banane pour payer. J'avais au moins 4000 et quelques euros. Quand le gars a vu l'argent, il m'a appelé la police. Non. Oui, il m'a appelé la police. Il a pas osé faire ça. Ah ouais. Il m'a appelé la police. Et quand la police est venue? Bon, moi je finis de faire les achats. Le gars me donne des sandales Adidas, il me donne des serre-poignées, casquettes Adidas. En tout cas, il m'a donné des cadeaux quoi. Parce que la chaussure faisait dans les 200 et quelques. Ok. Donc, pendant que je sors, les policiers à vélo. À vélo, ouais. Monsieur contrôle d'identité. Je me dis, mais il y a tout ce monde qui passe, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Charles II, maintenant, de loin, il a suivi. Tiens, nous, on n'a pas de visage ici. Là, 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 Zéphir, on va le prendre. Mais pour me prendre, c'est pour me ramener où? À 1 mars. Mm-hmm. Moi, je traverse, je vais à Genève. À Genève, ouais, parce que tu as le visa de la Suisse. Voilà. Donc, les gars arrivent, ça parle. Il dit, mais pourquoi vous voulez selon mes papiers? Il dit, mais monsieur, d'abord, vous déclarez quoi? Il dit, ah, moi, j'ai mon argent ici, c'est au moins peut-être 4000 et quelques. Ils enlèvent, ils comptent, c'est juste 4000 et quelques. Et ils mettent ça à côté. On peut vous palper? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils croyaient que j'étais un dealer. De la procédure. Ils m'ont palpé, rien. Ils m'ont demandé les papiers, j'ai donné mon passeport. Quand ils ont vu le visa suisse, ah, mais il a encore son visa, mais c'est suisse. Mais monsieur, vous faites quoi ici? On est de passage, on est venu faire des achats. C'est là où on me dit, bon monsieur, on doit vous escorter. J'enlève maintenant mon téléphone, je mets le clip Boulevard DJ. Mm-hmm. Tous les phares sont sur le téléphone. Ah, oui, c'est lui. Oui. Et l'autre, je fais venir Kérosène, ils ont vu Kérosène après. Ils nous ont escortés jusqu'à 1 mars. Oui, parce qu'à l'époque, c'était très strict. On nous enlevait du territoire. Oui, à l'époque, c'était très strict. C'est pour te dire qu'on a tourné. Nous, on a fait, on était à Genève. On a fait l'Italie, on a fait l'Allemagne, on a fait la France, donc c'est déjà bon. Alors, mais aujourd'hui, hein, quand tu le disais tantôt tout à l'heure, je suis là, quand tu vois aujourd'hui Kérosène avec toute cette lumière, toute cette gloire aujourd'hui, tous ces tubes qui l'enchaînent, est-ce que tu n'as pas un pincement au cœur? Non! Non, pincement au cœur, ça me fait pas un défalé. Regarde, défalé. Non, je ne suis pas aigri, moi. Je suis bien né. Mais un bon moment, non, on a eu je des suis sons. Bien né, je suis bien moi, né. Moi, j'ai eu des sons, hein, Zéphir. Défalé, regarde, attends, excusez-moi. Quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui a faim. La faim, c'est qu'il passe sur le front. Mais voilà. J'arrive à payer ma maison à l'étranger. J'arrive à manger. J'arrive à entretenir ce que je peux entretenir. Ça ne veut rien dire. Bon, à un moment, tu disais que Kérosène t'avait abandonné. Que ben oui, mais oui, je me suis plaint. Je me suis plaint. Je me suis plaint parce que c'est un frère, c'est un ami. À l'époque, quand j'étais là, j'ai pu te donner la main. Ok. Mais je me disais. Il allait te renvoyer l'ascenseur. Non! Mais même l'ascenseur n'a pas été renvoyé. L'escalier aussi a été bloqué. L'escalier aussi a été bloqué. Il n'a pas obligé de te renvoyer l'ascenseur. Bon, quand par exemple. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Kérosène, c'est un plaisir pour moi de le voir comme ça parce que c'est quelqu'un. Il fallait ça. Il fallait ça pour lui. Mm-hmm. Mais d'accord? Donc, ils disent que le succès de Kérosène est basé sur le maraboutage. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Mais comme je ne fais pas le maraboutage, je vais savoir comment. Mais tu l'as fréquenté, tu l'as côtoyé, donc tu dois savoir si mais c'est un adepte ou pas. Après notre séparation, peut-être qu'il est rentré quelque part. Moi, mais quand il était avec toi, il ne faisait pas. Non. Mais non. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Avant même le spectacle, Kérosène me disait, viens Nangaï, on prie. Bon, après, les marabouts prient beaucoup aussi, mais ça n'empêche pas. Donc Kérosène, c'est quelqu'un d'abord que je connais qui prie beaucoup. D'accord. Mais quand tu te donner des versets de Bible. Ok, mais quand tu te plaignais là, quand tu mais je me plains parce que je me dis que. Ah, oui, mais Kérosène a fait une sortie aussi sur toi te concernant. Il a dit non, qu'il y a des moments qui t'a soutenu, que tout, il n'a pas dit que toi tu. Défalé. Moi je suis un grand garçon. D'accord. De Kérosène à moi, je peux peut-être être le grand frère ou l'oncle. Bien sûr. Tu vois, non? Je ne vais pas me mettre dans ça. C'est pas ce que je suis venu chercher en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je suis venu pour essayer un peu de m'imposer avec le minimum de ce que j'ai. Si on peut me accorder une petite place, moi ça m'arrange. Je ne suis pas venu ravir la place d'un Ivoirien. Parce que d'abord, Kérosène, il devait peut-être être devant et puis moi je suis derrière. Voilà pourquoi j'avais demandé son soutien. Mais j'ai essayé de passer dans plusieurs chaînes.
il n'y a pas de réaction. Donc, je laisse. Moi-même, ça me fait mal que vous me parlez de lui. Parlez de mon actualité, ça me oui, fera on plaisir. On parle de ton actualité, mais en mais même voilà. temps, on a besoin donc, de savoir ce qui oublions, se passe. Oublions non, tout on peut pas, on peut pas oublier. Laissons l'enfant de Troui, en ce moment, il non. a ses problèmes. Donc, il peut même pleurer sur toutes les chaînes. Nous, c'est, on va parler. Il va plus pleurer. Va donc, plus ce que je veux dire, Zéphy, c'est que nous, on a entendu dire que Kérosène en avait marre de toi. Tout simplement parce que tu lui demandais très souvent de l'argent. C'était comme jamais. Si. Non, je t'explique. Hein. C'était comme si Kérosène t'était redevable. Parce que jamais. Grâce à lui, grâce à toi, pardon, il jamais. A intégré le jamais. Groupe Boulevard DJ. Donc jamais. Tu lui mettais un peu la pression et ça l'a agacé. Jamais. Vrai ou faux? Je venais d'arriver pour ton information. Mm-hmm. Je venais d'arriver. Kérosène m'a invité. Comment on appelle ça? Le coin là où on fait le zouglou là. À l'internat. À l'internat. J'ai appris cette histoire. On va en venir. J'arrive à l'internat. Oui. On joue. Lui, son cachet, c'est son cachet. Moi, je m'en fous de son cachet. Mm-hmm. Ben, moi, j'étais son invité, au fait. Mm-hmm. On finit de jouer. Pas fini. Lui, là, il s'est travaillement. Même si c'est 10 millions, c'est 20 millions, c'est à lui. On démarre. On arrive. Ah, vieux, tu es où? Je dis, ah, moi, c'est là où je suis. Mm-hmm. Eux, il sert la voiture, il appelle son petit qui a son sac à sous, il enlève 300 000, il me donne. Mm-hmm. C'est pas Zéphy qui a imposé à Kérosène. Mm-hmm. Il a voulu, peut-être lui, il se dit que c'est son mon cachet qu'il m'a donné. Mm-hmm. Par rapport à ce qu'on a eu à faire ensemble. Mm-hmm. Deuxième fois, il m'a invité, comment on appelle ça, aux deux plateaux. Là, sur la voie là où Arafat a fait son accident. Là. Mm-hmm. Perd son âme, qui est mon fils qui a voulu m'aider, vraiment l'homme propose, Dieu dispose. Mm-hmm. Je suis venu, on a joué, Serge Benoît a joué, lui l'a joué. Après, à la fin, il a libéré Serge Benoît, il m'a libéré, c'est fini. Il t'a rien donné là aussi? Là, il t'a rien donné? Mais je t'explique, libéré là, c'est quoi? C'est le cachet? Il t'a donné combien ce jour-là? 200 000. Mais il a pris beaucoup. Ah, mais si son cachet était 10 millions, c'est pour lui. Mm-hmm. Mais quand il te donne les 200 000, les 300 000, les jetons mondiaux, ça te fait pas mal? Ça me fait mal pourquoi? Est-ce qu'il était obligé même de m'appeler? Déjà. Mais pourquoi on dit que tu lui réclamais de l'argent? Je lui réclame pas de l'argent, il n'a qu'à venir vous expliquer. Pourquoi je veux le faire? Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, j'appelle soit mes soeurs, mes frères. Mais les femmes qui se battent pour toi à Paris. Parce que moi, j'ai des amis aujourd'hui qui sont ministres. Ou bien les femmes qui se battent pour toi aussi à Paris. Non, je ne demande pas l'argent, femme. Je ne demande pas l'argent. Ça là, vous pouvez vous renseigner, je ne demande pas l'argent, femme. Ah, tu demandes l'argent, ton camarade. Je ne fais jamais ça, je suis trop fier de moi, en fait. D'accord. Donc, Chola. Arrête-moi là. Hein. Ce qui a été fait là, toi-même, tu as enlevé, tu vas me donner sans te rendre compte. Et ça dépend de la manière. C'est pas attends, tout le monde qui enlève. Hein. Hé, Chola, on dit. Moi, il y a prendre pour toi très Chola, tu ne crois pas. Hey. Attention. C'est bouche parole, tu dis devant les gens. Il y a un défi dans l'air. Attention. Attention. Chola. Pas fait. Tu as enlevé. Il y a un terrain plat. Hé. Hé. Tu as enlevé pour me donner. Là, toi, tu continues quand même. Non, mais lui, tu continues quand même. Oui, mais il a le plantain. C'est la sorte de plantain. C'est pas la de plantain, c'est la manière de faire. On a vu toutes les blagues, on a vu le plantain à gauche, à droite, t'es pas tout droit. Ça n'a pas coupé que. C'est la manière de faire. Tu peux avoir ton plantain, mais tu fais rien avec ça. Mais sur la haine, toi, tu as déjà vu le plantain quoi. J'ai dit, même plantain comme parasol. Ou comme ça. J'ai dit, le bout comme parasol. Ça regarde. C'est pas ça la gâte. On a vu aussi des grès d'arachide. C'est... Ça nous a pas effrayé. Ok, grand. Ah, mon cher. Dès que tu touches, il est dehors. Cette émission-ci. Alors, Zéphy. Donc voilà, ça. Mais Zéphy, aujourd'hui, ton actualité. Attends, ouais. Joe, tu as du talent, tu es un bon chanteur. Hein? Mmh. Comprends pas, sors-nous un truc, qu'est-ce qu'il y a? Les trucs, j'en ai déjà. J'en ai. C'est parce que je suis en train de me battre seul. Essaye un peu de me comprendre. C'est plus comme avant, j'étais dans les maquis. De temps en temps, on arrivait à rentrer avec quelque chose à la maison. Bon, maintenant là, c'est dès que tu as un petit truc, tu cours en studio. Mais tu vas finir le studio, le truc est bon. Il faut un bon clip. Il faut aller payer, il faut la promo. Donc ça pèse un peu. Des fois, tu sors un bon truc, mais ça ne peut pas décoller parce qu'il n'y a pas de promo au fait. Mais de toi à moi, Zéphy, moi je veux savoir, est-ce que Claire, tu n'as pas fait asseoir Kérosène pour dire, bon frère, comme aujourd'hui, toi tu es là et que moi je suis là, aide-moi un peu à faire redécoller ma carrière. Mes émissions, mes émissions que je fais tout le temps là, vous n'allez pas me dire que Kérosène ne regarde pas. Mais s'il ne regarde pas son staff, regarde. Uh-huh. Mais, donc, non, est-ce que toi-même, tu allais le voir de frère à frère? Je ne connais pas celui où il allait le voir. Et donc, il t'a fermé à ce point. Oh. Tu ne sais même pas où il habite. Zéphy, c'est qu'il y a raison que je ne vous dis pas. Le gars, là, te fuit. Chola, pourquoi tu fais ça? Il te fuit. Chola, tu as toujours son numéro de téléphone au moins?
sur la. On dit quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Tranquille. Non, on ne va pas laisser. À faire les mais elle dit qu'on, il dit qu'on n'est pas chez lui. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux ne pas connaître chez moi. Mais ouais. Mon téléphone. Quand tu l'appelles, il décroche au moins. Mais si je ne connais pas chez toi, toi au moins tu dois connaître chez moi. Mais si tu ne connais pas chez moi aussi. C'est que tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que tu as toujours le numéro de téléphone de Kérosène DJ? En fait, je ne l'ai plus. Mais quand tu l'appelais dans le temps, il paraît qu'il ne décrochait pas. Vrai ou faux? Laissez ça, on a déjà parlé. On n'a pas terminé, l'affaire est trop compliquée. On a laissé comment? Zéphi, quand tu l'appelais, il décrochait ou il ne décrochait pas? Parce que pour te fuir à ce niveau. Marie, tiens ma vie d'aujourd'hui. Je ne fais que bénir mon éternel parce qu'il a béni ma vie. Il a fait de moi un homme puissant. D'accord, Zéphi, j'ai compris. Ma vie, tiens, trop de frustration. Je dis, il faut répondre à ma question. Trop je te parle de kérosène, je tu suis me parles de ta famille vie. Pauvre. Mais très intelligent, je n'ai jamais travaillé malgré les diplômes que j'ai eus. Mon Dieu, tu m'as donné un travail, tu m'as donné des enfants. Mon Dieu, tu vas me donner un mariage. Je ne sais pas si c'est parce que ça sera chaud là où ça. Zéphi Conan, je dis que. Je te parle de kérosène, tu me parles de ta vie. Quand tu appelles kérosène, est-ce qu'il décroche? Zéphi Conan. Akibine. Akibine Dankoy. Akibine. C'est pas mal. Akibine Dankoy. Akibine, 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 Debi. Akibine, Debine, Debi. On dit, est-ce qu'il décroche? Est-ce qu'il décroche? Aujourd'hui, est-ce qu'il décroche? Aujourd'hui, est-ce qu'il décroche? Jamais décroché. Ah, jamais, ah, jamais décroché. Ah, il a répondu à la question. Donc, quand tu l'appelais, il ne décrochait pas. Mais si aujourd'hui. Il décroche. Non, Zéphi, il décroche pas. Il décroche. Et ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé à Kérosène? Ou du moins, ça fait combien de temps que tu lui as parlé? Une année et demie. Hein. Et tu trouves ça normal? Si ça fait un an et demi que tu n'as pas parlé à Kérosène, c'est qu'il est en guise sous roche. Zéphi, il faut nous dire la vérité. Qu'en est-il exactement de ta relation amicale avec Kérosène DJ? On n'a pas de relation. Donc, il y a problème. On n'a pas de relation. Tu as trop demandé l'argent, le petit appin. Non, jamais. Jamais. De son côté. Kérosène, je peux le demander aujourd'hui, demain. Après demain, il ne va jamais pas. Oui, il peut le pas faire, mais il ne va pas donner aussi. Comme ça. Bon, peut-être c'est l'entourage, peut-être c'est ce que les gens mettent dans sa tête. Mmh. Sinon, mon petit frère que je connais là n'est pas méchant. Mmh. Mais il a gros au cœur. Quand il est fâché, il est fâché. Zéphi Conan, on est de retour encore avec Zéphi Conan. Waouh, c'est pimenté, dosé, certifié. Alors, Zéphi, nouvelle, on va dire quoi, la carrière en perspective. Est-ce que tu as un nouveau son qui sort? Je suis déjà à 6 sons. Mmh. Je vais les sortir. En single, en fait. Non, mais tu sors pas un album, donc tu sors pas un single. Je suis en train de faire parce que tu sais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est Dieu, je suis bourré d'inspiration. Mm-hmm. Donc, quand ça me vient, si j'ai un peu, je cours, je vais en studio. C'est vrai que je travaille pas avec des grands arrangeurs. Mm-hmm. Mais j'ai des enfants quand même qui sont prêts pour m'aider aussi. Mm-hmm. Qui me disent deux fois, vieux, écoute, moi j'aime mon studio, il faut venir faire un son. Donc, c'est comme oui, ça. Oui, mais après aussi, tu sais que la musique respecte certaines règles. Est-ce que aller forcément avec ces enfants-là, ça, peut-être il y a aussi ça qui joue en ta défaveur? Non, mais avec ces enfants-là, c'est pour garder juste mon inspiration, en fait. Mm-hmm. Je garde l'inspiration. Moi, pour moi, je prends ces sons-là comme des maquettes. D'accord. Le jour qu'il y a quelqu'un qui se présente, je peux aller payer un vrai studio et puis essayer un peu de rajouter ce que je peux rajouter encore. D'accord, ok, ben c'est tout à fait bon. Très intéressant. C'est intéressant. Et tu restes toujours dans le coupé des calais ou tu vas te diversifier? Je vais faire un peu, je vais généraliser en fait. Mm-hmm. Donc, un peu de rumba et tout ça. Il y a déjà un morceau rumba, il y a un morceau sébène. J'ai fait un peu de l'afrobeat. Et puis il y a deux coupés des calais, c'est zo et c'est pas cadeau. Parce que tout ce que nous faisons sur terre, rien n'est cadeau. C'est clair. Mais on ne fait pas pour attendre. Il faut te dire, quand tu as aidé, un jour, on peut t'aider ou on Dieu peut aider l'un de tes enfants. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour t'aider. C'est comme ça la vie. Hein. Le bien fait n'est jamais perdu. Voilà pourquoi j'ai dit rien n'est cadeau. C'est pas cadeau. Mm. Et puis il y a ces eaux. Ces eaux, c'est tout ce que nous croyons sur cette terre. Il faut dire Dieu merci. Mm-hmm. Voilà. Et aujourd'hui, Zéphi, tu vis dans quelles conditions ici à Abidjan? Mes conditions. Ouais, je suis toujours dans mon Yopougon. Mm-hmm. C'est toujours Yop. Ça t'aime Yop? Ouais, Yop et Yop. C'est pas tu n'as pas l'âme pour sonner de Yopougon bien. Non, c'est pas tu es trop recherché. J'ai commencé en ville pour aller à Yopougon. Mm. Parce que Yopougon. Non, c'est une question. Non, je me suis dit à Yopougon, je m'inspire mieux. Avec mes mecs moyens, je vis mieux aussi. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Et sinon, le reste, j'ai un espace qui est pour un ami. Oui. J'y sais que je salue en Jean-Claude Abo. Ok. Que je salue en passant. Il a son espace, c'est là-bas que j'organise un peu. Je suis devenu un peu
promoteur, je peux dire. Ah, voilà, tu es dans l'événementiel, voilà, maintenant. Mais c'est très bien. J'organise mes spectacles, rumba, zouglou, voilà. Ah, des fois, il faut qu'on aille faire un tour là-bas. Pour vendredi, je vous invite les vendredis. Ah, d'accord, ok. Vendredi, ouais. En bois, quoi, là-bas, qui paye? Et je juste Carrefour, monde arabe, au toit de Poy. Mais je peux vous recevoir, je peux vous recevoir. Voilà, fallait commencer par ça. Recevoir, vendredi. Okay. À partir de 21h jusqu'à au moins 3h du matin. Et il y a la bonne rumba et tout ça. Oh, j'adore. Ouais. Oh là là. Vendredi, on y sera. Oh, ok. On va faire un tour d'abord au S-Club et de là-bas, on part chez. On fait un tour à Yop. Alors, Zéphir, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de tes fans? Ceux qui t'ont apprécié dans ton, on va dire aujourd'hui, ça fait 20 ans pratiquement que le Coupé des Calais existe. Depuis Boulevard DJ jusqu'à aujourd'hui, cette musique, elle est intemporelle, elle traverse le temps et continue encore de jouer dans les anniversaires des baptêmes et tout ça. Alors, quel est le message que toi tu lances à tes fans, ceux qui t'ont apprécié? Il fallait, ce que je veux dire à mes fans, je sais, je vois comment vous m'écrivez, ça me fait plaisir. Et d'une part, je sais que je ne vais jamais vous décevoir. Prenez le temps, parce que c'est le temps qui fait tout. Mais j'arrive, je vous dis que j'arrive, parce que ce que je suis en train de sortir, là, vous allez danser encore. Ok. Bah, et puis, ce que je veux dire, moi, mes fans, aujourd'hui, c'est des directeurs de société, c'est des ministres, c'est des... Au fait... Ils ont grandi avec... Voilà, les enfants de maintenant, là, c'est maintenant que je suis en train de leur montrer que le morceau que vous aimez jusqu'aujourd'hui, le chanteur, c'est un tel. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, alors, le coupé décalé n'est plus à son... à ses heures de gloire, hein, voilà. D'aucuns disent que Arafat, le jour où il est décédé, il est parti complètement avec le coupé décalé. Quelle est ta vision de la chose, hein? Arafat ne peut pas partir avec le coupé décalé. Arafat avait emmené le coupé décalé dans sa manière de faire, au fait. Sinon, notre manière, elle est toujours là. Mais ce qui fait que le coupé décalé, les gens ne sentent plus, c'est quoi? Les enfants maintenant là, ils ont leur manière de faire. Enfin, notre coupé décalé là, les acteurs sont encore là. Ouais. Voilà, ils ont besoin de soutien, des fallait. Il est vieux, mais il lâche pas la preuve. On a vu les 20 ans de carrière de Moula, comment c'est passé. On a besoin du soutien. Quand on ramène notre coupé décalé d'avant, et puis voilà, ça va faire encore un boom. Sinon, on est là. On est là. Okay. On est là. Voilà. Bah alors, Chola, notre émission tire maintenant à sa fin. Évidemment, en tout cas, merci Zéphir d'avoir répondu présent à notre invitation. On te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière. J'ai besoin de ça. Voilà. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de visibilité. Parce que ce qui arrive là, c'est lourd. Et je suis rentré un peu dans le style des enfants. Non, on va voler. Je suis rentré dans le style. Qui va voler? Mais c'est parce que je n'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, s'il y a quelqu'un qui peut me faire signer un peu au petit Lafayette de Bio. Oui. Un artiste que j'aime bien. D'accord. Tu veux collaborer avec lui? Je veux collaborer avec lui. D'accord. Donc, Fior de Bior, le grand frère Zéphir Bonhomme veut collaborer avec en toi. En tout cas, Fior de Bior, je suis dans ton style là. J'ai un truc là. Quand tu vas écouter, tu vas aimer. Ah ouais. Tu vas bien te dé. Ah ouais, parce que lui, il est dans son style, hein, Fior de Bior. Ouais. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Vous qui partagez toujours le Fafa. Restez fidèles, restez connectés. Big up au PDG Pierrot. Big up à la boutique chez Kra. Du côté de la 8e tranche, des vêtements certifiés et des chaussures de luxe. Big up à Franky Aka du côté du bazar de Versailles, on va dire à Makori. Big up à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, monsieur Mustapha Diaby. Big up à Caramédiem. Big up à Madou Beaufils de Paris. Big up à Franck Mion, le jeune industriel. Big up à Aboudia Yassine Mion. On ensemble sortait toujours couvert. C'était la légende Serge de Fallé. Bien de choses à la grande famille. Old school. Sans oublier Ismaël Adidas, Claude Dabo, Anissé Le Boss, check. Merci.